La ménagerie est ouverte! L'accès à la ménagerie est réservé aux invités. En fait, en théorie, la ménagerie ne peut pas être ouverte. Elle devrait être ouverte que si on bat Curator, le conservateur. J'imagine qu'il sera le premier boss. Alors, je me suis évidemment pas spoilé, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans l'aventure. Mais on y va. J'espère qu'il y aura encore des boss où on nous file un deck. C'est mes préférés. Mes préférés parce que je suis nul. Alors, prêt à être ouvert. La ménagerie. Avec la tête de Terestian sur le... sur le frappe-porte. Le conservateur garde la ménagerie. Salut Viper. Le foyer des créatures les plus exotiques de tout Azeroth. Uh-huh. Plus loin se trouvent les appartements du maître et le portail pour sauver les vies. Alors en fait, c'est marrant parce que dans Karazhan sur World of Warcraft... Salut à toi Romseror, merci pour ton sub et merci à Viper pour le petit test. C'est marrant parce que dans World of Warcraft, je me suis toujours dit, tiens, ils disent ménagerie, mais... Ils disent ménagerie, mais derrière, il n'y a que des mobs assez sombres, il n'y a finalement pas de mobs exotiques. Et ben là, dans Hearthstone, ils ont dit, fuck it, tant pis, la ménagerie, ça veut dire la ménagerie, et il y aura des mobs exotiques. Donc ils ont mis des mobs exotiques. Donc là, je comprends plus le nom. Mais c'est vrai que dans WoW, j'étais toujours en mode, il n'y a pas vraiment de mobs exotiques. Bon, il y a des démons, il y a le jeu d'échecs, il y a les trucs de mana et d'arcane, mais ça reste des trucs assez thématisés magie quand même. C'est vrai que quand t'entends la ménagerie, dans WoW, tu te dis, waouh, on va avoir des bêtes féroces. Vous voyez, avec mon premier salaire de streamer. Ah ouais? Merci à toi pour tout ce que tu fais. Incroyable, ES Illusion, je ne sais pas ce que tu fais, mais courage dans ce monde de brutes et cette arène. Et merci à Blaze Origin pour son sub. Évidemment, merci beaucoup pour votre soutien, vous savez que les subs, c'est très important pour les streamers. Le conservateur est en train de libérer la ménagerie. Nous allons devoir le réparer. Ah bon? Alors le conservateur est devenu fou, réparez-le. Votre héros à provocation. Pouvoir héroïque passif, votre héros à provocation. Ah donc le conservateur aura provocation, donc il sera sûrement posé sur le board. Non, je pense. On va bien voir. Ah, faut choisir un deck, ça c'est chiant. Rigolo, non, rigolo, on peut pas le jouer. On peut jouer le Mitra Mage qui était rigolo, mais c'est pas. Ou le plus fort du monde 2. Ah, Viper qui se sub, incroyable. Merci beaucoup, Viper, pour ton sub. Merci beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup. C'est bien 4h en France, des rateurs stream officiels à cette heure-ci. Alors déjà, il n'est pas 4h, il est 4h moins 10, on va essayer de se calmer. Et oui. Medivh contre alors, le conservateur. Est-ce qu'il va dire l'accès à la ménagerie? Touchez pas les vitrines. Ah. Que la partie commence. Un problème, c'est que j'ai aucune idée de ce que fait le boss, du coup, et de ce qu'il a comme carte. Du coup, on va peut-être jouer modérément. On va lui dire bonjour et tout. J'aime bien jouer avec Medivh au début parce que c'est quand même hein, le propriétaire de la tour. Quoi le jaune qu'on voit dans le ménagerie. Conservateur est équipé pour la gestion de la ménagerie. Ah, donc c'est pas exactement ce qu'il dit dans WoW. Ils ont pas dû trouver le même doubleur. C'est pas grave. Alors, on va y voir. Ah oui, bonjour. Impossible de traiter. Steven. Minuscule créature poisson libre de partir. D'accord. Ah, mais merci pour votre sub. Vous devez l'arrêter avant qu'il libère toutes les créatures. D'accord. Zera, si maintenant tout de suite tu devais choisir une voie scolaire, aka diplôme post-bac, tu choisirais quoi? Au vu de ce que tu as appris de la vie de streamer et d'entrepreneur, je t'aime, Avoc. Je pense que je prendrais un truc en alternance déjà, pour avoir une expérience dans le métier professionnel, et ensuite un truc qui se rapproche le plus de ce que j'aime faire à peu près maintenant à l'instant présent. Enfin, si j'aime la musique, j'essaierai de me rapprocher d'un métier autour de la musique ou du son. Si j'aime l'informatique, j'essaierai de me rapprocher d'un métier informatique, etc., etc. Si j'aime le sport, j'essaierai de me rassembler là-dessus. Et en alternant. Je pense que c'est la meilleure voie à suivre à peu près quand tu sais pas trop quoi faire. Alors merci à tous les subs, bien sûr, Pegasus, Steven, ES Illusion. Merci beaucoup à vous pour le sub. Merci, merci beaucoup, merci encore. Et voilà. Très sympa. Adieu. Donc j'imagine qu'il va invoquer des mobs à chaque tour. Bah ça m'arrange. Medivh imposteur. Ah. Ses yeux de fou le trahissent. Ah, le conservateur ne reconnaît même pas son maître, vous vous rendez compte? 1000 bidules de Pegasus 2141. Merci pour les 1000 bidules, incroyable, 1000 bidules. L'utilité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je mettrais bien la barrière de classe, mais... Sur-moi tes mots à l'oreille. Pourrais le pinguer. Veuillez respecter les procédures en vigueur dans la galerie. Oui.
inflige 2 points de dégâts. Serviteur, deux points ce soir. D'accord. Ah, il va me refaire. Cool. Bon, ça m'arrange, j'ai pioché 2 cartes. La carte est worse. Invoque un murloc aléatoire. Un reloa. D'accord. Alexstrasza. Alors là, je me dis, si je pose l'hospice funeste, à son tour, il va peut-être invoquer masse truc. La fin est proche. Voici mon calcul, qu'on verra. Parce que mon calcul tient debout. J'imagine qu'il va invoquer. Bon là, ça invoque mon secret, c'est fait. Je suis content. Ah, il l'invoque pas. Des fois, l'IA de l'intelligence artificielle de de Hearthstone, ça peut jouer des tours. Et comme j'avais Torrisan après, je me suis dit au moins ce sera clean, j'aurai mon Torrisan qui sortira. Suite à ce spoiler, je voulais te dire que je suis bien déçu étant en un col d'informatique et de 3ème année, je ne peux pas participer au projet Unexpected. Dommage que vous ne cherchiez pas de stagiaire, j'ai un stage qui va commencer fin avril. Et non, Jujuo, pas pour cette fois, mais peut-être plus tard, qui sait. Tant mieux que ça t'intéresse. Les déjà, invités c'est... doivent rester à l'intérieur de l'aménagement. Oui, mais on va envoyer Alexstrasza, ça va être énorme. Ah ouais, surcharge et tout. En vrai, je suis pas mal, je pense. Oh non! Oh, vas-y. Il y en a un qui part sur l'héros. Bah, c'est bon, c'est cool, on va avoir deux tours de. Oh non! Qu'est-ce qu'il va faire? Déflagration des arcanes? Oh le bâtard! Tempête doudoune! Ah, dommage! Ah, mais je peux pas lui infliger des dégâts. En vrai, faut que je pose un truc. Ah, mais c'est chiant! Bon, je vais poser ça. Nous avons soif de vengeance. Merci Zera, président Avoc, je te donne l'argent de ma CAF, love you, bien qu'ayant choisi la voie de la sécurité informatique et tant qu'ingénieur, je te présente un idéal bonheur, au moins en apparence, pour moi, Zera président. Merci beaucoup Avoc. Si tu le dis. On va poser Alexstrasza avant de faire des dégâts en boule de feu quand même. 3 points de dégâts, bah ouais je sais mais bon. Au moins il les claque sur ça. Non. Tempête doudoune. Ah, on a les gels et tout. Bon, c'est bien. Là, ça va lui baisser pas mal de points de vie. Je pense qu'on est méga bien. Ah, t'es bien déçu, là hein. Fini les crottes de dragon. Un dragon aléatoire. Attends, ça peut être une grosse merde. Comme... Alors sans deck. Alors ça, tu t'y attendais pas. Alors, cela dit, en fait, 6 et 6, 12. Et 8, donc j'ai gagné. A plus. Ouais. Bon. Merde. Très bien. Une petite modification ici. Et il est comme neuf. Ah, Morose, il sait réparer les... D'accord. Gardienne de la ménagerie. Cri de guerre, choisit une bête alliée et en invoque une copie. Pas mal ça. Peut-être nul en ladder, mais en compète, quand tu sais que tu vas jouer contre un hunt. Hop. Non, je vais arrêter de faire des commentaires sur la puissance des cartes parce que je suis une merde à ce jeu. Hein, tout le monde le sait. Donc maintenant. Ou alors, maintenant que tout le monde le sait, je peux faire mes commentaires. Comme ça, les gens se diront. Oh, mais c'est Zerator, c'est ok. Le conservateur est. Désolé. Veuillez l'aider à capturer les créatures. Les créatures. Alors, les joueurs commencent la partie avec 10 cristaux de mana. Oh oui. Ah oui! Hey, salut Skizenart! Merci beaucoup, merci à toi pour ton sub pendant toutes ces années. Je viens de cliquer sur aventure, je suis un caca humain. Merci beaucoup pour ton sub et ta vitalité. Ah, j'ai toujours rêvé qu'il y ait un bras de fer où les deux joueurs commencent à 10 et au tour d'après ils sont à 9, au tour d'après ils sont à 8, au tour d'après ils sont à 7, au tour d'après ils sont à 6, 5 et ça se bloque à 5. Non, ça se bloque à 4. Parce que je me suis dit après, faut pas empêcher le joueur s'il a 1 de mana et tout. Mais j'ai toujours rêvé d'un bras de fer où on commencerait à 10 et ça dégraisserait jusqu'à 5. Je me suis dit que ce serait un truc très intéressant. Oh bref, voilà. Alors on va prendre toujours donc le deck rigolo. Là on va enlever toutes les cartes. En caressant comme ça. Là vous auriez pu me dire mais Zerator, t'aurais pu faire la même chose et tout. Non, rappelez-vous, on avait pris que des cris de guerre. Voilà. Donc on commence avec 10 cristaux de mana. Alors, on va prendre les cartes à 7 à Paladar. Taplo vient de s'abonner, merci à toi. Bienvenue, merci pour ton sub. Ou alors, encore mieux, on prend que des cartes à 5 et on maîtrise le board. Oui. On fait ça. On prend que des cartes à 5 hyper puissantes.
Je vais faire ça. C'est de la merde ça. On va prendre un BGH. Ouais, énorme. Que des cartes à 5. Ouais, 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 au lieu de faire du 10. Plutôt que de faire que des 10. Non. Lorsque vous avez lancé un sort sur... Non, c'est de la merde. Non. Oui, ça c'est bien. Deraziel s'abonne à Zerator Télévision. Merci beaucoup pour ton sub. Le roi Jankis, ça coûte 5 de mana ? Je croyais que ça coûtait 6. J'ai dû rêver. Ou alors c'était avant. Oui ? Ce truc, vous qui fussiez un joueur au talent incontesté de jeux électroniques et vidéo à Hearthstone, quel conseil puissiez-vous donner à un joueur effectuant ses premières parties parce que je galère pire qu'un cotorep ? Alors, en tome, c'est surtout pas à moi qu'il faut demander. Il faut demander des conseils sur Hearthstone, moi je suis assez nul. Mais t'inquiète, ça va le faire, ça va être énorme. Destructeur Anubisat. Rend 2 points de vie de ce personnage allié, rend 8 PV en adverse, sûrement pas. Vos cartes coûtent 5 de mana, énorme. Camouflage. Ouais. Et maintenant des cartes à 4. Attends, c'est pas des cartes démo à 4 qui sont rigolotes ? Inflige 3 à tous les personnages. Inflige 5 points de dégâts à votre héros. Quand vous jouez que vous défaussez des fruits d'un serviteur. Nanana. Ou alors des cartes à 3. Non, des cartes à 3. Comme ça, je peux exalter. Exaltation derrière. À chaque fois que je joue une carte, gagne plus 1, plus 1. Bon, ça, c'est bien, ça, j'aime bien. Ça devient un deck un peu merdique. Mais c'est pas grave! Laissez-moi. Ah, mais ça a été nerfé, ça, vos autres serviteurs. Ah non, ça, c'est bon. Laissez-moi. Si j'y prenais un silence, tiens. Ça peut nous sauver la vie. Ça peut nous sauver la vie. Contrôle mental, cri de guerre. Allez hop, on prend ça. Allez, on va tester ça pour voir. Ouais, parce que après, j'ai la flemme de faire un deck pendant des heures. Ouais, c'est chiant. Rigolo. Envoyons voir. Sunky, ça va dans la Zerator Télévision. Salut à toi, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup. Kul'dan contre Plaie de Nuit. Plaie de Nuit. Voilà le deck de mort. Mais non, c'est pas un deck de mort. Ce sera un deck de mort dans un vrai jeu. Mais là, c'est pas du tout le cas. Eh, superbe début. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial. Putain, mais quel début de ouf. J'espère que c'est à moi de jouer. À vous que je joue en premier. Ouais. Les œuvres qui se sont échappées peuvent se blesser. Elles doivent être reconduites dans la ménagerie. C'est quoi son truc? Ah oui, non, c'est juste son passif. Quoi? Quoi? Putain! J'en reviens pas! Prends ses boulets, c'est vrai que pour le plaisir d'avoir vu Giuseppe faire des pizzas. Putain de cliché raciste, mais qui m'a bien fait marrer. Espèce de con, marre. Écuyez, soignez-moi! Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté et du réconfort quand tu m'abandonnes les moments difficiles! Conservateur, nous devons secourir mes dix. Pas de problème d'aplomb. Les créatures doivent être sauvées. Ensuite, vous pourrez y aller. D'accord. Eh ben si je m'attendais à devoir faire du tech building sur HS à 14h du matin. Bonjour, très matinal. Salut, bon matin. Bon réveil. Alors. Hutez-le. Le roi Jankis. 500 bidules de Jalipter. Bienvenue, merci à toi Jalipter pour les bidules. Et là il va me mettre le truc là. Ah non, c'est bon, ça remet chez moi. Je pensais que ça le remettait mais chez lui. Je me disais putain, c'est vrai que c'est ouf. C'est quoi ça? Au début de votre tour, double l'attaque. Bon non. J'ai pas envie. De voir jouer à l'Extrazam me rappelle une fun fact dans Hearthstone. En Axramas héroïque, si tu tentes de jouer la lieuse de vie. Est nécessaire. Si tu tentes de jouer la lieuse de vie, KT te met un stop en disant ici c'est Axramas héroïque, je n'accepte pas ce genre de technique minable. Nice.
J'adore la nouvelle pour ce qui est de WoW et hâte pour le Rush Légion et pour ton travail que tu nous produis. Merci Lumnaul. J'espère que ça va bien se passer sur Rush Légion et que niveau technique tout ira bien. Et voilà. Bon, c'était facile. Est-ce que c'était vraiment un deck de mort? Est-ce que mon deck de mort était pas ouf? Et là, vous vous dites, ce boss était facile, mais en fait, c'est juste que Zera était fort. Soyez pas berné, c'est de la télé. Faiko with a huge play, the QSS! Le démon Malsabot, la pièce la plus dangereuse de l'exposition. Approchez avec prudence. Le démon Malsabot, la pièce la plus dangereuse de l'exposition, approchez avec prudence. Alors Malsabot est en train de libérer les démons, arrêtez-le. Seuls les diablotins dégoûtants peuvent infliger des dégâts à Malsabot. Ah! Ah, ça va être marrant ça. Alors là, je pense que si on prend un truc qui freeze, ça va être cool en vrai. Tentons. Tentons. Medivh contre Malsabot. Juste à temps. Que la partie commence. Juste à temps. Ça non. Et ça non plus. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de diablotin de merde de mon cul? Des homoncules d'ailleurs. Pourquoi ils ont pas appelé ça des homoncules? C'était pas politiquement correct. Raltagoni réinvoque ce serviteur. Dégage. Et Malsabot perd 2 PV. Oh mais oui, c'est excellent. Les rituels d'invocation ne sont pas autorisés. Ah, il va faire que ça? Il va mettre que des diablotins? Mais non. C'est pas vrai. Merci beaucoup. En voyant. Ah mais c'est formidable, c'est comme les chevaux de mort là. Quand tu les butes, ils reviennent. Hein? Je me rappelle plus. Et il va avoir que des diablotins. C'est génial. Alors, référence, j'adore. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'hospice funeste va être trop forte en fait. Genre là, il va y avoir un moment où mon hospice funeste va être trop fort. Pas assez de mana. Quel con, qu'est-ce que j'ai fait? Si on gelait lui. Ouais, c'est bien. J'aurais dû attendre qu'il en ait plus en fait. Je suis un peu con. J'aurais dû attendre qu'il ait plus de trucs posés. Ok, c'est énorme. 22-25. Inflige 4 points, vous déposez. Ouais, ça c'est bon. Ça va me mettre quoi? Bloc de glace, c'est de la merde. Bon, la boule de feu peut servir. Pour l'instant tout va bien. Il y a un moment ça va être génial, pose la carte. J'avoue, j'ai fait n'importe quoi. Ah! Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Ben rien. Eh ben rien, c'est énorme. Bon, de toute façon les boules de feu servent à rien ici, on est d'accord. Ah oui! Non, l'extra là sert à rien non plus. C'était quoi son râle d'agonie? Je peux pas voir. Place un démon aléatoire de votre main sur le champ de bataille. Ah, il en avait pas. Très bien, moi ça me va. En fait, le mage c'est trop bien. Venez, vous qui vivez dans les ténèbres, ralliez-vous à moi. Ah, ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange pas du tout. Là, j'aurais dû avoir l'hospice funeste. À moins que j'en ai un autre. Formidable. Alors, on va attendre. Vous savez quoi? On va faire ça. On va en invoquer un autre. Est-ce qu'il va en invoquer d'autres? Ah, il y a le marcheur, très bien. Ça fera 2 de dégâts, mais pourquoi pas. Et bah, adieu! Là, je peux finir en même temps. Venez, messieurs. Le rituel doit être accompli. Il a toujours la voix, vous avez vu? C'est toujours le même. C'est toujours la voix du. Du pingouin dans Batman. Ah ah. Ah, encore la barrière de glace. On va piocher. Je peux faire un jet de besoin.
Ah mais non, c'est vrai que c'est son râle d'agonie. Ah. Ah. Moi j'ai quasiment gagné. Viens. Quasiment gagné. Maintenant nous pouvons terminer l'invocation. Ah, y'a Kilrek, vous rappelez ? Que cherche-t-il à invoquer ? Cela importe peu au conservateur. Les invocations sont interdites. C'est vrai, c'est interdit. Oh là là, dis donc. Ça m'arrange pas du tout, ça. Putain, fais chier. Bon, c'est pas très grave, ma boule de feu peut encore clean Kilrek. Kilrekt. Kilrekt. Non mais je vais gagner, je pense. Je veux pas juger le boss, mais s'il invoquait pas Diablotin, il gagnerait easy. C'est vrai, ça, putain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Ou alors on tue lui, hein. En vrai... En fait, je vais tuer lui, parce que c'est lui le plus menaçant. Parce que tout le reste, je le fais au Diablotin. Je gèle lui. Là, je tue ça. Je pense que c'était le best move. Ça, au prochain tour, j'ai gagné. Sauf s'il clean mon savant, mais du coup, j'ai gagné. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ah mais non, c'est toujours lui. Bon, dans ce cas, j'apporte la vie et l'esprit. Lui a 15 PV, lui. Ce n'est pas une cible valide. Talnos du coup. Et lui aussi. Sors-moi tes mots à l'oreille. J'ai encore un secret. Non, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Terrible. Terrible nouvelle que voilà. Bam, 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 bam. Oh là là, 4 points de dégâts. Putain, mais j'étais chaud en fait. Ah, il m'a down ça. Ok, ok, ok. Un plus 5 points, rang 5 dégâts. Oh là là, oh là là, attendez. C'est la merde. Attendez, attendez. Stop. Hein, invoque 2 diablotins dégoûtants. Ouais, ouais. Attends, attends, stop. Qu'est-ce qui se passe? Un plus 3 points et le gel. Ah, ça c'est chiant. Attends, attends, qu'est-ce qu'on pioche déjà? Ouais, la merde. Non. Ah non, mais là je fais quoi? Je me soigne? Parce qu'il me fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. En vrai, je vais mettre ça, je pense. Indusa. Voilà. Comme ça, 6 sous le trop, boule de feu après. 6 sous le trop après, voilà. Pas obligatoire. En vrai, je vais le clean avec le ping et je taperai avec le robot de soins antique. Le reste. J'ai 2 blocs de glace. Putain, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce qu'on pioche? Le blizzard. Oh, j'attends le prochain tour, c'est trop beau. Oh non, j'attends le prochain tour. On s'en revient même. Oh, le blizzard qui va carry tout. Hospice funeste, double blizzard. Alors là, vous êtes refait. Et là, explosion pyrotechnique, je meurs. Franchement, je méritais presque. Alors, c'est quoi l'histoire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on va jouer avec la chance. Ce n'est pas une... Non, on peut pas. Ce n'est pas une cible valide. Je suis archi dégoûté. Je suis archi, archi dégoûté. Oh putain, oh je suis deg. Non, allez. Vous avez besoin de mon aide. Alors, Antonidas, faisons prolonger un peu parce que bon, après on a le bloc de glace et tout. Ah voilà. Ouais. Choc de flamme, mais que demande le people? Que demande le people? Explosion pyrotechnique, bah tiens. J'allais y penser. Alexstrasza. Non mais en vrai. Oh. Au combat! Oh, je suis bien, je suis bien. Dernier. Ah non, la merde. Hey Dux, merci à toi pour ton sub. Merci beaucoup pour ton sub. Généreux, merci à toi.
Tu ne le regretteras pas. Ici, on ne le regrette jamais, tu sais. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on finit au choc de flamme ou au blizzard? Je dirais plus le blizzard, parce que déjà, c'est une carte dorée. En plus, on joue à un jeu blizzard. Et en plus, il n'y a pas un troll sur l'image. Donc, là, je vais tuer Antonidas. Ça, c'est fait. Parce qu'il faisait un peu le beau. Ce n'est pas une cible valide. Ouais. Allez, go. Moins 3, moins 5, moins 7, moins 9 et moins 11. Alors, il aurait pu avoir 41 PV, c'était le même boss. Allez, dégage. Le conservateur vous remercie. Ouais. La ménagerie sera restaurée. Allez, dégage. Gardien aviaire. C'est ça, comme la grippe. Allez, dégage. Alors, c'est quoi en version héroïque du coup? J'aime bien voir là, les versions héroïques. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est vrai qu'on a un coffre. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Magicien de la ménagerie. Donne plus de plus à la bête et dragon. Le conservateur. Provocation. Cri de guerre. Piocher une bête, un dragon et un murloc dans votre... Wouah. C'est trop bien. Oh, ça, je la mettrai dans mes decks. Parce que j'aime bien. Nous sommes presque au sommet. Nous devons sauver Medivh avant que la fête vire à la bagarre générale. Alors moi je fais pas les boss en héroïque, je vous le dis direct, hein. Les seuls boss que je fais en héroïque en général, c'est quand on me donne un deck et que j'ai pas à en faire un. Donc ces deux là je les ai fait, parce que c'était rigolo. Alors ça c'est quoi du coup? Bon ok, c'est juste plus puissant. Là c'est juste plus puissant. Là, c'est... Allez, on va tenter celui-là pour rigoler. On tente le rigolo, mais j'imagine que là ça va être une autre paire de manches. Ou alors, ah c'est peut-être que lui il a 10 de cristaux de mana et moi non. Ah c'est peut-être ça, j'ai peut-être mal lu. Oh si c'est ça je me casse. Ah non c'est ça, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Ah bon les gars, il y a plein de mecs qui font des trucs Hearthstone. Ah non, on a 10 aussi. Voyons voir. Je suis curieux. Je suis curieux de voir comment je vais me faire éclater la gueule. Votre âme sera à moi. Ça je le garde au cas où, toujours bien de l'avoir. Allez, une carte à 5 s'il te plaît, ce serait bien pour débuter. Non, c'est plus la merde ça. Quel début de merde. Oh putain, quel début nul. Ah, peut-être là si on pioche. Oui, exactement. Les orbes qui se sont échappées peuvent se blesser. Elles doivent être reconduites dans la ménagerie. Oui. Alors c'est quoi? Ordre de tuer. Nul. Je n'ai nul, pas nul, nul. Ah non, c'est chiant ça. Ah là, il faut silence. Non, là, il faut silence. Ah là, je vais silence. Là. Oh, ouais, pas mal en vrai. Alors, ce qu'on va faire... Non, ça non évidemment. Chaque fois que je vais, j'aurais dû faire ça, je suis trop con. Ah mais non, je l'avais pas au début. Donc on va faire. Bon, je vais pas faire ça. Je fais quoi, le chef de raid? Non, ça fait plus d'un attaque. Donnez-moi une quête. Je sais pas, on va voir. Hein. Sachant que là, si elle attaque la provoque, elle meurt. C'est pas mal en vrai. Non, c'est pas mal. Voyons voir. Ah non! Oh mais n'importe quoi, ça tombe sur le pire! N'importe quoi. Le top deck du type! La chance du type! N'importe quoi! Vos bêtes on charge! Quelle bête! Quelle bête! Je te le demande. Quoi? Ah bah celle-là par exemple! Pff, ça marche pas du tout ça! Exaltation. Eh ouais, mais du coup, bah... Ouais, bah ouais. Ça me fait chier, ça. Butez-le. Quête acceptée. Calme ta joie, calme ta joie. Place deux bananes dans votre main. Mukla, le roi des macaques. Échec de la quête. Confère un serviteur Val d'Agonie, révoque ce serviteur. Quoi? Ils veulent faire sur lui? C'est de la merde. C'est archi nul. Il va me recharger du coup. Oh là là! N'importe quoi! Quoi? Et en plus, il... Oh là là, mais c'est de la merde! En plus, il a pas assez d'attaque pour que je le tue avec mon super mob. J'adore les pillages! Gagne plus un que ce que ça. La question c'est.
Est-ce que j'exaltation et comme ça il est fort? Mais en échange... Ouais, plus 2, comme ça il résiste au rhino. C'est bien. Et comme ça il résiste au rhino. Ba-da-ba. Quoi? Ah ouais, c'était plus 2, ouais. C'est bon, c'est ok. C'est ok. Comme ça il est obligé la de faire autre chose. La ligue des explorateurs est arrivée. Renault, reposez tout de suite l'argenterie. Quel con ce Renault Jackson, franchement. Inflige 3 points de dégâts si vous avez... Mais... Quoi? Maintenant? Quoi? Ça lui file direct, il peut l'avoir au tour d'après, merde! Bon là il me faut un truc avec provoque. Hein. En vrai là je suis pas bien, 6. Là il va me faire tac tac, faut que je le clean, je suis obligé. Hein. J'ai pas un truc avec charge, putain j'ai rien qui peut le tuer direct sauf ça, ça me saoule. Hop. Les loups de givre sont prêts. Essayez, joignez-moi. C'est chiant. Prêt, chef. Et moi je suis obligé. Putain, j'aurais dû invoquer ça avant. Je pensais que c'était pas le crit de guerre mais que c'était permanent. Quel con, quel mauvais joueur. Je suis désolé, blâmez-moi dans le chat comme vous avez l'habitude de le faire. Putain mais Ragnaros, seigneur des flammes. Est-ce que le serviteur peut le ramener à la vie avec tous ses PV? Hein? Quoi? Le BGH! Au moins il sert à quelque chose. Ah, plus en LAN! Allez, là c'est la loose, mon gars. Alors, désolé pour le coup d'avant, mais au moins je m'en suis rendu compte. Au moins je m'en suis rendu compte. Ça c'est bien, non? Je progresse à Hearthstone. Non, ça je progresse pas. Mais je m'en suis rendu compte. C'est bien. Furie vend 5-5, c'est une blague. Provocation bouclier divin. Bon, toi, voilà. Karazhan héroïque, c'est de la merde. Une aide supplémentaire est nécessaire. Trop facile. Bon, par contre celui-là ça va être chiant. C'est quoi déjà ça? Ça les diablotés des gosses, ça c'est chiant. En vrai avec le deck freeze je pense que je peux faire un truc bien contre lui. Bon j'essaye ça une fois et si ça me gonfle j'arrête. Allez. On essaye celui-là une fois juste pour rigoler. N'empêche que j'ai one shot le boss héroïque. Et ça achève mon cul. Mon cul. Vive le dernier gardien contre Malsabo. Le pire héroïque, même en faisant des misplays avec un deck de merde, il gagne. Oh, par contre, non. C'est pas un deck de merde. Commence. C'est un deck auquel toi, tu n'aurais pas pensé parce que tu n'es pas assez intelligent. Voilà. Donc, ce n'est pas un deck de merde. C'est un deck où il faut réfléchir. Où tu lis le truc et tu te dis, ah, peut-être qu'en faisant en fait que du 5-5 ou du 3, non, comme ça, t'as toujours le truc pour faire la connexion avec le 5 plus 3 plus 2. Hein, en fait, c'était assez réfléchi et c'était plutôt intelligent. Et je suis assez. Je suis un très bon joueur. Je suis le meilleur joueur du monde. Mais. C'est vrai qu'il fallait avoir l'audace. Quoi. Fallait avoir l'audace de le faire. Ça, c'est vrai. Et voilà. Hospice funeste, formidable. Mais pas besoin au début. Enfin, voilà la différence. Ils ont 2 points de vie. Ça fait une grosse différence. Le rituel commence maintenant. Bien sûr que non. Bien sûr que non, abruti. Pourquoi c'est un Alors là, je dis meurs, évidemment. Oui. Je peux décemment pas faire l'hospice funeste. Le truc, c'est que j'aurais pas assez de PV. En fait, il faudrait vite la barrière de glace et tout. Bloc de glace, ouais. Bah, non. Clairement pas. Je peux faire un jet de besoin. Ah, je peux pas me permettre de geler ça. Il a trop des autres démons trop forts. Et il a 40 HP. J'avais pas vu. Impossible! 40 HP, impossible! Boss, impossible! Jeu, impossible! Désolé, on ne peut pas finir ce jeu. Voilà, c'était pas possible. Hey, donnez-moi ça! Ah non, mais quoi, l'Extraza? Merde! Ça revient en même façon. Ça rien que je tryhard si je veux tenir jusqu'à l'extrada. Je viens du vide. Et par tous les chemins. Alors là par contre c'est la méga merde.
Pourquoi j'ai le râle d'agonie de saint? Oh là 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 là. En vrai, c'est archi lourd. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Rien du tout, non? La fin est proche! Oui, il va essayer de le clean. En vrai, il va le clean, il va faire 6, 7, 8, 9, 10. Il va clean en vrai. C'est ça qu'il va faire. Non? Ah non! Ah, il s'en bat les couilles! Ah, il fonce! Ah, c'est un fonceur! Ah, ça. Ah oui! Ah oui, 5 et on reprend. Ah oui! Ah, et là, on a. Et c'est fini du coup! Ah ouais! Ok. Non, mais je suis désolé, je voulais juste essayer de faire un héroïque comme j'ai vu qu'avec. Ça s'est bien passé avec. Avec Play du Nuit, je me disais peut-être. Non, mais ok! J'ai eu tort! J'ai eu tort! Voilà! J'ai eu tort, j'admets. Je voulais pas. Voilà! Je voulais pas offenser qui que ce soit. J'ai été respectueux jusqu'au bout. J'ai one-shot tous les autres. Voilà! C'est comme ça que ça va se passer. Bon! En tout cas, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce live. Passez tous une bonne nuit. Voilà!